Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, 27 juin 2019, eh bien, on va partir sur Super Mario Maker 2, version téléchargée qui donc ne me permettra pas d'aller sur les créations online, puisque évidemment le jeu sera bloqué par rapport à ça. Par contre, on va regarder un petit peu ce que propose ce jeu. En espérant qu'il y ait autre chose que des trucs online, parce que sinon on va pas pouvoir voir grand-chose. Alors le jeu normalement sort demain, hein, Super Mario Maker 2. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a. ZLZR, ok, créer. Donc je vais pas créer parce qu'honnêtement j'ai pas la patience de le faire et il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux pour pouvoir le faire. Robostock. Stage du monde. Bon, stage du monde, je pense que c'est pas la peine de le faire parce que, voilà, déjà, je pense, même admettons que je puisse y accéder, il doit pas y avoir grand-chose d'ouvert, puisque le jeu, normalement, n'est pas officiellement sorti. Donc, on va aller sur le mode histoire, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mode histoire qui me semble être une nouveauté par rapport au premier opus, qui n'avait pas ce mode. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on peut passer ça? Non, on peut pas passer. Donc, là, j'ai la version, française en plus. Alors c'est une version XCI que j'ai téléchargée et qui s'est mise donc en NSP, voilà, en version NSP sur la Switch. Alors je pense qu'il y a quand même énormément de choses créatives dans ce jeu, beaucoup plus que dans la version Wii U. Donc évidemment tous les gens qui ont la patience de pouvoir créer des niveaux de fou vont nous régaler. De leur niveau absolument incroyable. Malheureusement, si je veux en bénéficier, eh bien, je vais pas avoir d'autre choix que d'acheter le jeu. Bon, en soi, si c'est vraiment un très très bon jeu, si c'est aussi bon que Super Mario Maker 1, bon, bah, pourquoi pas l'acheter, mais je pense que j'attendrai un petit peu qu'il y ait des promotions là-dessus, puisque pour l'instant, il est à 60 boules, et je vais peut-être attendre qu'il soit aux alentours de 39,99 ou pourquoi pas 29,99. En cette fin d'année, voilà. Donc voilà pourquoi je préfère les chats. Donc là, on peut courir, on peut sauter. Ok. Donc ça, je ne peux rien faire avec ça, on est d'accord. Donc il faut que j'aille où là? Non, mais je suis vraiment repu. D'accord. Voilà pourquoi je préfère les chats. Ok, A, B, A, ouf, ok, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des trucs, donc là je peux rien faire, bon. Bon, alors à mon avis, ça doit se passer là-dedans, soit celui-ci, dépasse vraiment les bornes des fois, d'accord. D'accord. D'accord, c'est passionnant. On va devoir tout refaire. Mais comment c'est la cata? Laisse-moi faire. Mais bien sûr, pourquoi je n'ai pas pensé? Tu peux aller chercher des pièces pour financer notre chantier avec ton aide. Va donc voir si l'administrateur peut te dégoter quelques petites missions. L'administrateur, bon, ça doit être lui, certainement. Voilà, donc il va certainement nous donner des missions. La plupart des clients ne donnent pas leur vrai nom. Je ne pose pas son vrai nom vis à boule. Alors, on est parti. Terrain en pente, c'est parti. Wouhou! Hihi! Allez, fan de Gombas. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, on est déjà sur un niveau qui est assez récent. Voilà, donc on va prendre ça. Ok, bon là il n'y a rien. Bon là pour l'instant on a vraiment l'impression d'être sur un Mario, sur Super Mario Deluxe Wii U là. C'est à peu près le même truc. C'est un peu plus beau peut-être, mais encore je suis pas vraiment sûr. Bon, on va pas. Je vais pas y taper pendant 10 ans là-haut. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, donc attendez, là, il y a un truc.
Une petite vie, ok. Alors là, comment je fais pour atterrir là? On a beaucoup de bonus pour rien là, hein, honnêtement. Bon, je vais pas aller le récupérer, ça, on s'en fout. Bon. Bon, alors, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un niveau Mario tout à fait classique. Là-bas, il y avait... Ah, d'accord, donc ici, il y a une grosse pièce. Ok, on va passer par là. Je pense qu'après, je vais ressortir par le tuyau bleu. Voilà. Voilà, bon. Rien d'extraordinaire. Oh putain, il repop. Bon, je pense pas vraiment que le mode histoire de ce jeu soit extrêmement intéressant de toute façon. Je pense que c'est vraiment un mode histoire juste pour faire un mode histoire, mais que ça n'apportera pas grand chose. Voilà. Bien, bon, écoutez, pas mal. Bon, évidemment, le Super Mario Maker est fait uniquement pour ben, voir toutes les créations possibles et inimaginables des gens qui vont nous fournir certainement des niveaux qui vont être juste énormes. J'avais déjà pas mal aimé Attends, ah oui, donc attendez, on va commencer par les fondations. J'avais déjà pas mal aimé le premier opus. J'ai d'abord, enfin, j'ai établi quelques records du monde hein, dans certains niveaux, à peu près une petite, une demi-dizaine quoi, une demi-douzaine de niveaux. Donc voilà, donc on va faire les fondations. Donc en fait là, le but c'est de reconstruire en fait le château quoi. Donc là, le château va être reconstruit à combien de pourcents? Voilà, on est reparti pour l'émission. Terrain en pente, ça c'est fait, donc là j'ai ouvert d'autres trucs. Bon, en espérant qu'il y ait quand même pas mal de niveaux là, hein, dans ce mode histoire. Ça permet quand même de pouvoir déjà se familiariser un petit peu avec le jeu. Est-ce que là on va avoir un truc un peu plus ancien? Ah, voilà, donc là on est plus sur la version NES. Ok, voilà. Alors en même temps, peut-être que ce mode histoire nous permet aussi d'avoir une sorte de tuto sur certaines fonctionnalités qui vont être faites pour ce jeu, notamment le bouton on/off là. Alors attendez, peut-être qu'il y a un truc là-haut là. Non, il n'y a rien. Ah merde, quel con. Alors, voilà, donc là on l'a emprisonné. Il n'y a pas un truc là? J'ai vu un truc apparaître là. C'est moi qui rêve. Bon, je sais pas. Ouh, putain! Ok. Je l'ai emprisonné, j'ai récupéré les pièces, donc ça c'est bon. Ensuite, donc ça, on va faire ça comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, les niveaux ne sont pas d'une difficulté extraordinaire. Attendez hein, que je calcule. Ouais, mais comment j'y vais là? Comment vais-je-y? Voilà. On doit y aller par là, peut-être. Voilà. Alors, attendez, comment on fait pour choper ça? Ah, attendez, d'accord. Ah, merde, je suis con. Ok. Oui, d'accord, mais alors après... Hé, je suis bien content d'avoir ça, mais les gars... Je comprends pas en fait le truc là. Est-ce que je peux remonter au moins? Oui. J'ai pas trop compris le délire. Ah! Parce que. D'accord, ok. Je vais en avoir besoin pour niquer ça. D'accord. Donc de toute façon, il faut que je revienne. Y a pas à chier.
Ok. Tout, tout, tout. Ok, on va le prendre là. Ok. Allez, on est parti. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, il n'y a pas l'attaque rodéo, par contre. Mais j'ai ça. Ok. Merde. Merde. Ok, bien, bon, on n'est pas trop mal. Je vais faire un dernier niveau et puis on s'arrêtera là. Bon, je vais pas aller dans le menu créer parce que, bon, honnêtement, moi, j'ai pas du tout la patience d'aller chercher ça. Donc, ben, et puis de toute façon, je vous laisserai découvrir par vous-même. Là, on fait juste le mode histoire, tranquille. Oh putain, on n'en est qu'à 1%? What? On travaillera du jour et du jour pendant ce temps, il faut accomplir les missions. Ouais, d'accord, oui. Ok. Dès qu'on aura terminé 20, t'inquiète. Ok, bon, bah alors du coup, je vais refaire une autre mission. Ils sont assez lents hein, au niveau du boulot, là. En tout cas, c'est assez joli, c'est fluide, il n'y a rien à dire. Très très bien, très très bien réalisé. Alors là, on est plutôt dans quel type? Oula. Ah d'accord, donc là on voit l'arrière-plan de certainement là où on va aller. Ok. D'accord, donc là on peut faire une attaque rodéo. Oula, attendez là. Ah, putain. Y a rien là. Voilà, hop. Oh putain, quel con. Quel con, quel con, quel con, quel con. Donc là, je dois pouvoir. Alors, ce qui est pas mal aussi dans ce jeu, c'est que comme on a plusieurs types de Mario, c'est-à-dire les Mario plutôt type NES ou des Mario plutôt type. Donc ça fait un. Ah putain, attendez. Plutôt des Mario type Wii ou Wii U, etc. Putain, mais attendez, mais là, je peux pas. Je peux pas aller là. Voilà. Donc, attaque rodéo. Ah, non, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Y a rien. Mais quel con. Quel con. Ah oui! Très bien joué, ça. Là, j'ai fait n'importe quoi du début à la fin. Rien à dire. Bon, allez, on va essayer de se concentrer un peu mieux quand même. Ok. Ah, voilà. Là, je vais pouvoir péter le bordel. Voilà. Sympa, sympa. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Il peut pas monter là? What? Il peut pas monter sur le truc là? Voilà. Ok. Ok, on gagne une vie. Et voilà.
Bon, écoutez, sympa, sympa. Il y a de grandes chances quand même que je l'achète ce jeu de toute façon, hein, je pense. Mais je l'achèterai plus tard. Ah merde! D'accord. Ok. On va attendre que ça se remette. Non. J'en ai fait un de trop. J'en ai fait un de trop! Oh putain, mais quel abruti! Quel abruti, sans déconner! Salut Frangin, si tu as... En plus, il me prend pour un con, le mec. Salut Frangin, si t'as des problèmes, hein, si t'es con, je peux t'aider, hein. Y'a pas de souci. Oh putain, là j'ai eu chaud. Là du coup... là du coup, je suis obligé de faire comme ça, je peux pas le choper, là. Avec la tenue du chat, c'est possible, mais sans la tenue du chat. Ok, voilà, bon. Eh bien, écoutez, ma foi. Très très bon premier abord hein, par rapport à ce jeu. Première bonne impression. Même si ils n'ont pas l'air de bosser des masses, derrière, on est toujours à 1%. Je sais pas vraiment combien il peut y avoir de niveaux. Ah! Fondation, c'est fini? Ah! Fondation prête! Est-ce qu'on est toujours à 1% ou pas? Ah! 3! 3%! Ah ouais! Donc quand même, il doit y avoir quand même pas mal de niveaux dans ce mode histoire. Hein. Bah là, déjà, je peux rien acheter. Je peux rien acheter, je peux rien acheter. Bah écoutez, on va faire une dernière mission. Je vais faire une dernière mission. Bah écoutez, on va prendre la dernière. Voilà, collecte pièces souterraines. Et on va voir ce que ça donne. Et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Alors assez longue évidemment, elle va faire à peu près 25 minutes. Mais du coup, voilà, c'est Mario Maker 2 quand même. C'est pas n'importe quel jeu. Donc là, il doit y avoir un petit... Voilà, hop. Y a rien là non plus, non. Hop. Donc on a gagné une vie. C'est dommage qu'il n'y ait quand même pas plus de niveau, un peu plus type NES. Ah oui, alors c'est les fameux niveaux. Atteigne arrivé avant la réunion, il y en a au moins 30. D'accord. Donc c'est les fameux niveaux fantômes où on va perdre la boule avec ces putains de portes dans tous les sens. Donc on va prendre la première. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on va passer par là. En plus, si on arrive à prendre... Oula, attendez, attendez. Ah oui, parce qu'en plus, ils peuvent passer dans les tubes. Ok, donc ils peuvent passer dans les tubes. Donc là, est-ce qu'il faut que je bute tout le monde? Oh putain. Ah, parce que je me pose plusieurs questions. Donc, il faut que je récupère 30 pièces, mais je pense pas qu'il faille absolument... buter tous les ennemis. Donc là on a une vie à chaque fois, donc bon globalement bah, ça apporte rien de... Voilà, c'est pas grave. On peut... Bah écoutez, on va prendre ça. Il nous donne une pièce. Voilà, donc déjà ça c'est réglé. Donc il me faut 30 pièces pour ouvrir la porte. Voilà, on va faire celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est comme ennemi, ça? C'est spécial comme ennemi, ça. Oh! Ah, putain, le con! Oh, mais nom de Dieu! La vache! C'est quoi ce vieux saut pourrave?
Bon, du coup, là, le... je pense que je vais utiliser la... Ah, ta gueule! Je sais que je suis mauvais! Allez, on est reparti. Donc, du coup, je vais prendre l'étoile pour aller faire la porte de droite. Voilà. Pas réussi à le buter. Ok. On descend. On va essayer de finir ce niveau. On va attendre qu'il passe par là. Pas tenter le diable. Voilà, troisième. C'est con parce qu'on n'a pas de champignons qui nous fait grandir. Oh putain la vache! Quel abruti! C'est pas possible! Je veux finir ce niveau avant de rendre l'antenne chez vous. Bon, en tout cas, vous pouvez profiter un petit peu de ce jeu avant sa sortie. En tout cas, le mode histoire a l'air d'être quand même très 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 long. Parce qu'on est qu'à 3%. Donc du coup. Il va falloir que je fasse attention parce que je vais me faire baiser là. Et voilà. Exactement ce qui pouvait arriver. Putain, c'est pas possible. Non, mais en plus, il n'y a rien de difficile quoi. C'est vraiment le problème de ne pas avoir ce champignon là. Alors attendez, je vais tester celui d'en haut. Comme ça évitera de faire une répétition. Ah merde, putain, mais c'est pas possible! Ah d'accord, donc en fait là, j'ai l'impression que c'est une sorte de boss qui serait là. Ouh, j'ai eu chaud. Est-ce qu'il va falloir que j'aille les tuer ces deux trucs là-haut là? Je me pose la question. D'accord, donc ça sert à rien, je peux pas les buter. Oh putain, mais c'est pas possible! Oh la vacherie! C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de barbare, les gars. Le plus énervant, c'est quand il n'y a rien de difficile, en fait, en plus. C'est vraiment ça qui est le plus frustrant. Parce que autant quand c'est compliqué, genre vous jouez à Super Meat Boy, vous avez des niveaux de ouf qui sont complètement voilà, incroyables. Je veux bien croire que bon, en effet, là il faut du skill. Mais là, dans cette situation-là, il n'y a absolument rien à voir avec le skill. C'est quand même des niveaux assez simples. Donc là, j'ai combien de pièces? J'en ai 7 sur 30. Oh, et cette porte de merde. Voilà. Oh putain! Ah, on meurt pas là? Attends, on a de la chance là. Je croyais qu'on pouvait mourir de croisée. Ok. Ça, c'est bon. Ça c'est bon. Hop, voilà. Là je suis à 16. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une très bonne idée que de les péter en deux.
Ok, hop. Allez, il n'en reste plus que 6 à choper, 7 à choper, normalement. Oh, ces putains de piaf. Qui n'ont pas l'air d'être... On peut les tuer, mais simplement si on arrive à les choper par-dessous. Ok, le truc est fait, hop, on y va, et puis on va s'arrêter là. Voilà, bah écoutez, Super Mario Maker 2, si vous êtes vraiment fan et si vous êtes vraiment un créatif dans l'âme, bah écoutez, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de l'acheter. Et voilà, bien, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Super Mario Maker 2. Un jour avant sa sortie, et puis moi je vous dis bonne journée à tous et à la prochaine.